Elle est née, l'association des dames de cœur du Cavalier et du Guémont. Maman Julie Gluagui préside désormais aux destinées de cette association. Dans un souci de cohésion et d'unité pour la promotion de la culture en général et en particulier celle du peuple Ouai, les dames de cœur du Cavalier et du Guémont ont décidé d'unir leurs forces. Cette association a pour but promouvoir la culture Ouai dans toutes ses composantes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à l'émission Le Monde Bouge. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'une nouvelle association qui est créée par Madame Julie Gliagui, l'une des premières productrices des artistes de Côte d'Ivoire. Cette association se nomme les Dames de Cœur du Cavalier et du Guémont. Et les objets de cette association, c'est évidemment fédérer et promouvoir les activités culturelles, participer à des événements artistiques et puis également consacrer des sorties culturelles, les échanges entre les différentes associations. En tout cas, les objets sont différents. Et ce bureau a été constitué depuis la naissance de cette association, dont je vais vous présenter le bureau maintenant. La présidente de ce bureau, qui est l'association des Dames de Cœur de Cavalier et du Guémont, la présidente, Madame Yoro Julie. La première vice-présidente, Madame Léonine Blé. La deuxième vice-présidente, elle n'est pas là, Madame Monique Zéhi, qui est la présidente des associations des ressortissants de Blo-Léquin, qui n'est pas là, mais on l'applaudit quand même dans tous les cas. Secrétaire générale, Madame Marie-Angèle T. Secrétaire générale adjointe, Madame Jeannette Do. Elle est aussi absente. Trésorier général, Madame Abdon Baou Chou de Chou. Trésorier général adjointe, Madame Janine Pekaou. Commissaire au compte, Madame Tossio. Déléguée à l'organisation, qui est à la fois porte-parole de l'association et grande animatrice de cette même association, Madame Albertine Ba. Déléguée à chargée de la communication, Madame Majorine Boucher, elle n'est pas là. Déléguée à l'organisation et chargée de la sensibilisation, Madame Oulahi Agathe. Déléguée chargée des relations extérieures, Josiane Degaye. Voilà un peu composé cette association qui vient de naître. Comme je l'ai dit, c'est une association culturelle qui va faire la promotion de la culture ivoirienne et précisément la communauté Ouai. Et nous avons donné la parole à la porte-parole de cette association, Albertine Ba, pour nous dire quelques mots juste après la présentation de ce bureau. Madame Ba. Merci, chers amis. Vraiment, je suis heureuse de participer à ce groupe qui est représenté par la digne sœur, celle qui fait la fierté du peuple Ouai depuis toujours. Je nomme ici Madame Julie Gluagui. Vraiment, nous sommes heureuses. Nous prions Dieu pour que cette association prenne de l'ampleur. Merci. Cette association a été créée quand même sous l'initiative et l'impulsion de Antoine Seyi et de Monsieur Taupierre, qui sont les deux conseillers techniques sous la supervision de l'un de nos doyens, Monsieur Joseph Poté, à qui je passerai la parole pour conclure. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. Ici, moi, je ne peux que vous dire merci.
pour d'abord l'initiative prise par Mamblé Productions de vouloir promouvoir la culture Wè. Et aussi, je remercie toutes mes filles qui sont ici réunies pour leur bonne volonté de vouloir s'unir et avancer et vouloir aussi promouvoir la culture Wè. Moi, mon mot de fin est que cette association, je souhaite qu'elle vive vraiment longtemps, qu'il y ait une entente parfaite entre les membres du bureau qui viennent d'être choisis. Et je remercie infiniment la production Mamblé, l'association Mamblé Production, qui a pris l'initiative de vouloir promouvoir vraiment la culture, puisque vraiment ils y tiennent. Donc, je vous renouvelle encore mes remerciements. Merci. Antoine Seigi Bovo, reportage, assisté de Tho Pierre, qui est chargé de l'imagerie. À très bientôt. Merci. Merci.